éternel, qui serait tout puissant et qui aurait la possibilité de mener son existence comme il le veut. C'est peut-être un peu ce que l'on a appelé le mythe prométhéen. Prométhée qui veut s'emparer du soleil dans la mythologie et qui se brûle à cause de ça. L'homme veut à tout prix posséder, désire avoir. Et c'est un peu ce que l'on a reproché à les générations du désert, où on a dit « it avu ta ava ». Ils ont désiré pour désirer. Non pas parce qu'ils en avaient une vie réelle, physiologique, mais parce que simplement, ils avaient décidé de. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec la génération du Maboul, du déluge. On a des générations qui sont extrêmement fortes, terriblement puissantes, et qui mettent cette puissance au service du mal, au service de leurs désirs. Et c'est ce que nos maîtres enseignent à ce sujet. Kakadosh Baruch Hu, Dieu, a fait en sorte de leur instiller une faiblesse, de raccourcir leurs jours, pour éviter que justement cette puissance soit mise totalement au service du mal. Et c'est à la suite de cela que finalement une sorte de folie s'est emparée de l'être humain. Quand l'homme est empressé d'accomplir tout ce qu'il a à accomplir, il perd la possibilité de fauter. Et cette perte de possibilité, c'est la suite, la conséquence logique du Maboul. C'est un peu ce shigaon, cette folie, qui nous préserve d'aller justement dans le mur, qui nous préserve d'évaler la montagne ou de nous brûler les ailes définitivement. C'est grâce à cela que justement nous sommes capables de faire en sorte que lorsque l'homme est occupé à gérer ses affaires ou à gérer ses problèmes, eh bien il en perd la possibilité de manger, de remplir tous les désirs qu'il pourrait avoir, de satisfaire ses pulsions. Eh bien c'est cette possibilité, cette chance qui nous est donnée, qui est la conséquence logique du Maboul, du déluge. Et cette chance, elle doit nous permettre de savoir que l'homme a besoin d'être bridé, parce que s'il n'est pas bridé, eh bien il peut tout dévorer et il peut conduire l'humanité et la création tout entière à sa perte.